Vous voulez rentrer clandestinement dans le navire, les gars? Avec ce gros mec. Il est encore plus gros que l'ancre. C'est pas vrai, papa, il est pas gros. Non, il est pas gros. Il est énorme, mec. Avec lui, on va couler. Et puis, vous êtes qui? Pas de clandestin sur le navire. Je savais qu'on aurait dû prendre l'avion, mais non, papa est obligé d'être trop lourd pour l'Airbus. On s'en fiche de notre avion, vous voulez pas plutôt demander que quelqu'un nous descende d'ici? Parce que ça pue un peu, en fait. Ah, papa encore pété. Ah, ça fait mal. Et vous, Alain, arrêtez. Quoi? Si vous vous calmez, je vous descends de là. Stop! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as peur qu'il se fasse bobo? Le gros amortira la chute. Et hop! Ah! Amortir? Mon œil! Il vient de péter le plancher, ce gros sac! Ouais. D'habitude, ça marche avec les baleines. Hé, hey, les PD, vous pouvez nous renseigner? Le patron de mon père est à bord et il veut l'attraper pour lui donner une fessée! Non, non, nous on n'a rien vu, mais si on le trouve, on vous le dira. Et là, il me dit, allô maman, moi aussi je t'aime beaucoup très fort. Sur le coup, j'étais sur le cul, et après je découvre qu'il a chié dans le coffre de ma limousine. Et vu l'odeur, je vous raconte pas ce qu'il a bouffé à midi. Bon, je vous laisse, j'ai un double appel. Oui, allô? Oui, je suis bien à bord du paquebot, je vais bientôt retrouver le mec qui a chié dans ma bagnole. Monsieur le ministre, je suis à bord pour la réunion de ce soir. Vous avez des nouvelles? Oui, il est même à la recherche d'un mec à chier dans sa bagnole. D'après ce qu'on a entendu, c'était un gros cake dans le coffre de sa limousine toute neuve. Vous imaginez ça? Un des collègues à votre père qui est aussi dégueulasse? Le pire, c'est qu'il est à bord. J'avoue que le collègue à votre père est vraiment dégueulasse. On devrait l'aider à retrouver l'auteur de ce crime et de lui ramener pour peut-être toucher, je sais pas moi, une petite prime. Ah ouais, mais trop. Bonne idée, les PD. Pardon, les gars, je m'y ferai jamais. T'en penses quoi? Pourquoi pas? Ouais. Et puis, c'est quoi ces vêtements, sérieusement? Quoi, ils sont très bien, nos vêtements. Oh, bah voilà, je comprends mieux pourquoi. Oh. On va vite trouver une chambre pour échanger notre tenue de prisonnier tchécoslovaque avec la tenue des habitants de la cabine. Vous êtes sûr que la cabine est assez grande pour que papa rentre? Tu pensais que j'ai Mouchel après avoir souillé le coffre de ma limousine. Ma jolie... ma belle limousine. J'ai amené des témoins. Écoutez, c'est un grand malentendu, monsieur. Nous ne sommes pas les personnes que vous recherchez. Au lieu de parler pour rien, décrivez-nous plutôt la personne. Eh bien, il fait 1m64, il est un peu enrobé, il empêche les moules et une famille de 4 personnes. Vous voyez bien que personne correspond à cette description. Faut vite qu'on se casse d'ici. Je vais pas nous réveiller, vous repérer. Regardez! C'est Jean Mouchel et sa famille! Attrapez-les! Oh, le tac! Et venez par là, vous! T'en fais pas pour eux, ils sont certainement en train de courir après notre petite prime. Eh, hey, vous nous oubliez pas! Tenez, voilà 1 euro! Tourne à gauche. Je crois que c'est dans ce sens. Tourne à droite. La droite, c'est là où il y a un iceberg? Ou le Costa Concordia? Vous faites quoi? En fait, j'ai pas tout compris, mais apparemment, il y a une histoire de caca.